Et salut à tous, on se retrouve pour le petit ou le pain. La petite liste du dimanche. Et oui, c'est la fin du week-end. Ça va être la reprise demain. Évidemment. Donc on va essayer de s'en sortir à peu près et on va diminuer le son parce que sinon ça va être une catastrophe, évidemment. Je ne vais pas réussir à raconter ce que je dis. Donc. Oh! Ah, eh bien, le bon cendre n'a pas la bonne team. Donc j'affronte quelqu'un qui a 4 fois moins de combativité que moi, à peu près, grosso modo. Ok, vite, vite, vite. Ah, non, parce que qu'est-ce qui se passe? 1 million 2, oula. Oula, 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 oula. Hop là. Bien. Allez, on recule dans le tas. Ok, nickel. Lancer Ulti Madara, je sais pas trop quel avantage en termes de combativité, en termes de première attaque. Ok, on lance l'ulti directement. Très bien. Bon, je pense qu'on va avoir moult problèmes techniques vis-à-vis des dégâts de commotion, c'est moi qui vous le dis ça. Je pense que c'est très très loin d'être bien parti. On n'est pas du tout avancé ou quoi si on lance un quelconque ulti, donc on va tout simplement patienter. Et le Sasori qui continue de prêter main forte. Alors. Je pense qu'on va avoir des problèmes techniques de type dégâts de commotion. Au bout d'un moment, Madara va se faire one shot. Mais. C'est bien se passer. Que puissant en soi, on fonce avec le Madara. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'on réussit? Oui, on réussit à immobiliser le Naruto, donc c'est le moment. Oh, j'espère que le Naruto il va essayer de cut le Itachi, sinon ça va être la double catastrophe. Oh oui, parfait, magnifique. Allez, on lance l'ulti Madara. Pendant que le Kakuzu a assisté l'équipe en face. Ok, les dégâts de commotion ont fini par faire le travail. Ah, c'était tendu, hein. Je pense que tout pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. On a réussi à l'emporter, mais. J'ai l'impression que c'était quand même tendu. C'est quand même pas simple. C'était plus ou moins serré quand même, donc. Ok, j'essaye de repositionner le micro pour qu'il soit à peu près devant devant moi quand je parle. Ok, Mister Matlax. C'était pas un magicien, ça, non? Je sais pas. Sandon me dit quelque chose. On en profite pour essayer de lancer des doubles ou quoi. Je pense que je lance un petit ulti du Madara. Et je pense qu'on sera vraiment pas mal parti. Alors, du côté de Cendre, bon, ça a l'air de plutôt bien se passer pour le moment. On va laisser les choses se faire tranquillement. Un petit lion qui augmente la dépense de chakra et qui nous met un peu dans le rouge, mais globalement. Ça se passe bien. La légende qui se termine. Alors attendez 2 secondes. Ok. L'avantage en combativité, donc restons calmes. Restons détendus.
Il y a la Tsunade qui, elle, n'est pas immortelle. Être, hein? Parfait. Ok. Allez. On lance Ultimanara, c'est parti. De toute façon, il va falloir qu'on se détende. Qu'on reste détendu vis-à-vis de l'utilisation de nos ultis. Sinon, ça peut profiter bien trop au Naruto en face. Ok, la Tsunade qui est toujours debout. Très bien. Obada qui va tronquer ça. Couvre chef pour l'instant, mais attention tout de même. Attention, attention. Et l'auto là, c'est pas mal en termes de crit. Ok, parfait. On s'est débarrassé du père Naruto. Et donc là, on n'a plus qu'à dérouler un ensemble multi Madara. Et je pense qu'on est plutôt bien parti. Ok. Ok. J'allais lancer l'ulti Sasori histoire d'appuyer encore plus là où ça fait mal. Mais ce n'était pas nécessaire, visiblement. On continue la strat de cliquer dans le tas comme un. Comme un ouf. Ah, 50 nuances d'Azuka, bon bah. Certainement être une petite défaite là. Bon, on va essayer de se défendre un peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Et est-ce qu'on peut pas essayer de s'en sortir? Je pense que ça va pas être simple, mais bon. Ok, bon, le Jobito qui. Okay, c'est quand même beaucoup de dégâts là. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Calmez-vous, calmez-vous, cher monsieur, bien sûr. Il y a le pauvre Itachi qui en prend. Qui en prend pour surgrade également. Plutôt Nakilai, bien sûr. Oh oh! Madara a été contrôlé. Dommage. Dommage, dommage, parce que quelque part, jamais on n'aurait eu la possibilité de dispel le Madara, par exemple, avec l'outil du Sasori, on aurait peut-être pu. Pu s'en sortir, mais c'est pas possible, donc tant pis, évidemment. Et puis voilà, les 25 secondes réglementaires. Bon, très bien. Du côté d'Ossiandre, une victoire de plus, mais attention, hein, tout peut basculer, bien sûr. On est contre l'outil, d'accord, avec une composition assez étrange avec le Chimera en tant que P1, mais bon. Voilà, hein. Pourquoi pas. Je ne sais plus si c'est quelqu'un du groupe ou. Non, de mémoire, il ne faut pas l'affronter là, Azuki. Soit c'est quelqu'un du groupe, soit c'est quelqu'un qui a 14 millions. 2 milliards de combativité et du coup c'est compliqué à gérer. Ok, on est contre Hisoka qui est toujours avec le père Naruto. Oh, il a la première attaque, le petit père. Oh, ça nous met dans une posture plus que délicate. Oula. D'accord, les dégâts de commotion au top 1 font autant de dégâts. Très bien. Normalement, le Naruto, il n'a pas eu l'occasion de lancer une auto en plus. Oh là là, les dégâts que je pense, c'est quand même hallucinant. Bon. Allez, on y va, c'est parti.
C'est un peu exemple cette histoire. Bah, tant pis les coups, mais. Je suis peu confiant envers ce qui est en train de se passer. Mais soit. Soit, soit, soit. Et attention quand même. Plus on avance et plus les dégâts de commotion sont tout à fait considérables. C'est peut-être perdu là. Je sais pas si je vais pouvoir. Qu'on a résisté. Oula, mais on résiste avec. Avec complexité, on va pas se le mentir. On a réussi à trouver le timing pour lancer l'ultime Adara. J'ai pas l'impression que. J'ai l'impression que ce soit 100% suffisant. Le mec qui a fait son retour. Qui n'a pas eu le temps de poser des soins. Ok. J'ai l'impression qu'on arrive à infliger quelques dégâts au niveau des soutiens adverses, mais. Ça me paraît quand même compliqué. 13 000 points de vie. Je suis de moins en moins confiant. Alors, est-ce que notre Madara peut résister à ça? C'est une fin de match à ce niveau. Oula, 4 000 points de vie, c'est quand même pas beaucoup. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ok, on a infligé quelques dégâts. Sauf qu'on n'a pas réussi à libérer l'aspiration de santé, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, sa souris, il est totalement contrôlé. Je peux pas lancer l'ulti pour épauler un peu le Madara. Et là, ça va être compliqué. Parce que entre le poison. Il va y avoir une inflammation qui se balade et l'auto du Madara. Je pense que le compte est bon. Mais là, il reste plus que le pauvre Sasori, mais impossible qu'il résiste à tous les dégâts qu'il va prendre. Ou non, ce sera bien trop important. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Et 25 secondes réglementaires en plus, est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller plutôt par le haut? Peut-être. Peut-être. Alors. Que se passe-t-il par ici? Ah. J'essaye de cliquer sur lui. Ok, c'est bon. J'ai trouvé un adversaire. Ok. Alors attention, on va la revue, bien sûr. Oh, je commence à m'en foutre. Le coup de barre. Bon. Ça commence bien. Voilà, de toute façon. Naruto plus Tsunade plus la barrière du Minato n'est très clairement pas du tout incité à lancer de quelconque ulti au tour 1. Déjà une fois que la protection des sensibles que lui apportera la barrière du Minato sera aspirée par la barrière de Momo Madara, ce sera plus simple. Et de toute façon on ne peut pas gagner avant le tour 3. Donc voilà. Commence à infliger des dégâts au niveau du tour 2 pour scale un petit peu, etc. et un petit peu l'embêter. Ok. On sur le même. Ok. Au niveau des dégâts de commotion, pour l'instant, ça va à peu près, mais ça va aller de pire en pire, donc forcément. Au bout d'un moment, il y a des fortes chances que ça devienne totalement incontrôlable.
Donc attention quand même. Ok. Au tour 3, je pense que je vais relancer un outil directement comme ça. Et on continue à faire des dégâts. Ouais, ça peut être un groupe ça. Alors, est-ce que j'ai pas l'impression qu'il a été immobilisé encore pour l'instant? Tranquille, ok. Le poison. On revient à ta cour. Alors, Isoka est là-haut. Kazé, de mémoire, ça pouvait être. C'était faisable. Donc, peut-être que. Oui, c'est vrai que l'adversaire notion. C'est peut-être pas quelqu'un du. Il ne fait pas partie du groupe. Cependant, c'est quelqu'un qui une Tsunade. C'est un peu plus long que la moyenne. Mais bon, tranquille. Ok, contre le B. Ok, donc on va lancer l'outil Madara. Alors, voyons voir. Ok, les dégâts sont tout à fait considérables, il reste plus que le Killer Bee. Y a l'inflammation qui est partie. Et du coup, bah, là on est vraiment plutôt pas mal. Et le poison et l'inflammation font le travail. Ok, 7 secondes, c'est parti. Alors, on va pénaliser un petit peu le Kisame. Sinon, il a augmenté la dépense de chakra de mon Madara de 20. Et du coup. Ça aurait été un petit peu terrible évidemment dans cette situation. 3 kills. Parfait. Et vous savez quoi, on va prendre attaque autour 2. Histoire d'être rapide. Il y a le Kakashi qui est là évidemment. Avec ses boules d'attaque standard. Ok, on débute du tour 2, donc on enclenche la capacité du Madara. Alors, voyons voir comment cela peut-il se passer. Que la difficulté. Du côté de Sion, on a fini par se débarrasser de l'adversaire. Ouais. Les dernières fois qu'on affronte Hisoka dans cette liste, je crois qu'on l'a déjà affronté deux fois avec Xion, si on peut alterner un petit peu les adversaires. Ah mince, on est à nouveau contre Kazé. Je vais peut-être prendre l'opportunité de. Déjà, je vais cutter le Mindful pour éviter qu'il nous embête un peu. Et je vais essayer de lancer un petit Madara hein, comme ça là. En gagner un peu non avec son si par exemple je peux pas gagner du chakra là non j'ai pas l'impression qu'on va tout simplement répéter le processus on va prendre la masse en attaque histoire de faire le maximum de dégâts possible histoire d'essayer d'accélérer légèrement la prise de points. Ok, magnifique, parfait. Il y a tout le monde qui bombe.
Bien. On va essayer de récupérer, appliquer un effet d'inflammation. J'ai l'impression que c'est surtout lui qui. Enfin, c'est via le bouclier miroir du Itachi, donc on est extrêmement content, bien sûr. Le gars d'Oda. Il aura peut-être pas besoin du petit ulti. Du Sasori, très bien. Victoire, bah, sur les deux côtés. Bon, alors, non, ça c'est quelqu'un qui fait partie du camp. Des snow dont il nous bat facilement. Ushigeki Gokuri, je sais plus si c'est quelqu'un du groupe ou pas. Je ne le sens guère. Olisgara, c'est des membres du groupe. Joe David Boy, je crois qu'il y en a un des deux qui me battent. Ah bah. Bah, tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mis à part tant pis. Ouais, bah, je crois que c'est. On n'est pas tombé sur tout à fait le bon adversaire. Je confonds entre David Joe Boy et Joe David Boy. Donc compliqué. Mais pas sûr que véritablement ce qui se passe c'est que. Là c'était. Pardon, c'était pas le bon. Et possiblement une défaite assurée. Donc attention quand même. Mais peut-être que. Je sais pas, il suffit que avec un crit bien positionné et un non-crit de l'adversaire, alors peut-être finalement. Il y a peut-être l'opportunité de. Que ça se passe bien. Ok, magnifique. Ok, on va finalement. On n'aurait pas perdu ce combat. Je pense qu'on a été sauvé par le monde sur ce coup. Très bien. Bien, on fait partie du camp des vainqueurs, donc magnifique. Pendant que la forêt et le bon étaient à peu près au même niveau de points. Okay, c'est parfait. En termes de rang, sur des quatrièmes, la BD en chocolat. Et je suis un petit peu plus. Un peu plus du côté du milieu de tableau de mon côté, mais écoutez très bien, pourquoi pas. Et sinon du côté de la forêt, ok. Après j'avais quand même beaucoup, 23 joueurs hein, contre 12 et 16. Attention quand même. Évidemment un petit peu comme d'habitude, on retrouve certains noms qui ont l'habitude des hautes positions. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt.